Bonjour Internet, bonjour mes petits canards, j'espère que vous avez la forme, la pêche, la patate. Moi je les retrouve sur World of Warcraft pour mon let's play World of Warcraft, mon compte gratuit. Et j'ai donc passé mon niveau 10 avec mon tauren paladin. J'ai choisi l'aspect vindicte. Alors je voudrais surtout m'excuser pour le dernier épisode. J'étais un petit peu... j'ai fait une fausse manip sur mon micro et effectivement il y a eu... entre la minute 3 et la minute 8 à peu près, ouais, 5-6 minutes de... où il n'y avait plus de commentaires micro, donc je parlais hein, mais mon micro était coupé. Donc voilà, ce qui donne un épisode avec un passage un petit peu mou hein, navré pour ça. Je vais à l'avenir éviter de trifouiller mon micro pendant que j'enregistre. Ça m'évitera ce genre de problème. Alors on continue à quêter. Étant passé vindicte, il va falloir que je trouve une arme de main, parce que dans mes compétences, j'ai un truc super sympa. Épée de lumière, augmente les dégâts infligés, les points de dégâts que vous infligez avec les armes de mêlée à deux mains. Donc, il va falloir passer avec une arme de main, genre un marteau, une épée, une hache, je ne sais pas. Peu importe. On va se faire tout ce qui est loup là, tranquillou, en mode no stress. On va aller jusqu'à la mesa rouge, là, les rochers rouges, je sais quoi. Rocher rouge. Ça doit être pas loin. C'est même tout droit. Je suis dans le bon sens. Le niveau 10 est débloqué. La spécialité est choisie. Les Red Finder est débloqué aussi. Sauf que pour le moment, je ne peux faire que les BG. Bon, j'ai peut-être évité d'y aller au niveau 10 comme ça. Je vais me faire ouvrir comme une lamentable merde. Donc j'ai accès qu'aux BG. Il faudra attendre le niveau 15 pour pouvoir faire les premiers donjons. Voilà quoi. Patience, longueur de temps, mais ça monte plutôt vite. Là, je quête. 10-25%. Je me fais en chemin mes rôdeurs des plaines. Il m'en faut encore... qu'est-ce qu'il faut, c'est bon. Hop, les griffes de rôdeurs, c'est bon. Maintenant, il me faut encore deux dents de loup. Alors, j'ai toujours pas compris le concept de la boutique de WoW où j'ai rien à acheter. Hein, ça m'échappe un petit peu, ça. Mais bon. Pareil que c'est normal. Là, tout droit. Faudra se faire les deux hirsutes et parler à l'esprit ancestral devant. Et en revenant, tuer 2-3 encore un loup. Histoire de gagner les dents. Ah oui, puis j'ai une nouvelle compétence aussi. Verdict du Templier. Oula. Qu'est-ce que ça fait ce truc? Parce que je la claque comme ça comme un dingue. Verdict du Templier. Une frappe puissante qui inflige 150 points de dégâts physiques. Bon, d'accord. C'est juste sur une cible ou... Parce que ça part en vrille dans tous les sens. Et ça consomme quoi là? Pourquoi je peux pas le lancer? Ah, faut être à fond, je pense, en puissance sacrée, c'est ça? Oui, faut avoir 4 en puissance, 3 en puissance sacrée. Et ça fait... D'accord, oui, c'est pas mal. C'est cac, quoi, hein. Faut pas se rater. Mais c'est rigolo. Pourquoi pas, là j'ai toujours mon heal, mon gloire. Hop. Alors, je vais tenter... Jugement et verdict. Voilà. Oui. Pratique. Pratique. Elle est encore 3 machins. Là, l'esprit est là. On va lui parler. Qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est bien. Je ramasse des étoffes, tout ça. Alors, esprit ancestral. Bonjour. C'est tout? Ouais, donc j'avais juste à lui parler, quoi. Bon, heureusement que je peux aller quête, hein. Parce que sinon. Ok, j'avais juste à lui dire. Salut! Et puis m'a donné presque 1000 points d'XP. Hop, allez, un petit dernier pour la route, les copains. Celui-là, là, celui-là, il me semble pas mal. Hop, voilà, ça s'est fait. Un loup alpha en revenant vers le camp. Et je serai pile tip-top opérationnel. J'ai pas des loot un petit peu. Maille, 3 armures. Non, j'ai mieux. Non. Ah oui, c'est vrai, j'ai un objet vert, je sais pas ce que je vais en faire. Ça, c'est pas un loup. Ça, c'est pas un rare. Ça, c'est un rôdeur. On lui a trouvé un loup là-dedans. Là, voilà, je suis demandé. Ça, les viandes de loup, je vais les garder pour les cuisiner. Ah merde, j'ai même pas eu... que je voulais. Tant pis, on va en cogner un.
Voilà, j'ai tout ce qu'il faut, les poteaux. Je vais aller rendre tout ça. Tranquillement. Des œufs, non. Des poils, non. Pas besoin. Des plumes, non, non. Brassard tribord cuir, non. Œil de tigre. Je peux le garder, je sais pas si je m'en servirai un jour. Seulement pour faire monter mes crafts. Maille, 8, 10, j'ai mieux. Ok. Je ne peux pas m'équiper d'armes à distance. Il me semblait qu'à l'époque on pouvait avoir des armes à distance. Bon, le mage, alors mettez des baguettes. Je croyais que tout le monde pouvait avoir une arme à distance. Bon, je rêve peut-être. Bon, mes quêtes sont faites. Je ne sais plus s'il y en a un qui me donne une arme de main. Il faut absolument que je trouve une arme de main. Donc il va falloir qu'il soit un peu plus funky, les gens là. Hein, qu'il me file ce que je veux. Puis il va falloir que j'économise des golds. Si je veux pouvoir m'acheter une monture, parce que ça va être indispensable quand je serai capé au niveau 20. Du moins, au moins pour les BG quoi. Alors, dans Alpha, tiens mon pote, vous recevez de l'XP, merci. Utilisez le totem purification de crâne sauvage, très bien. On va faire ça. Toi, alors, ouais, une cuillère à 100 mailles, bien. Du cuir, non. Alors, je vais prendre la cuillère à 100 mailles, très bien, parce qu'il y a que maille qui maille. Voilà. Le chemin du chasseur, griffe de bastonnière des rôdeurs, voilà, c'est tout. Hop, je vais. Ah, lui il a des trucs, épée à deux mains, je peux lui acheter une épée au pire. Hein. Comment ça coûte 3,9, c'est pas trop cher. Allez hop, je prends l'épée à deux mains. Comme ça, je vais directement ce que je veux. Voilà, même si c'est un truc tout moche, tout gris, c'est pas grave, c'est toujours plus efficace DPS. Voilà, et bon, les trucs verts, hein, je peux les vendre, hein, c'est pas la peine que je les garde, je peux pas les... Ah, moi je les garde pour Dez, parce que si je monte un jour l'enchant, j'en aurai besoin, donc je vais les garder, quand même. J'espère que je pourrai m'acheter une banque. Normalement, en compte gratuit, je peux quand même... Ah, possibilité d'avoir une banque. Alors, purifier le totem, je veux bien, mais il est où? Le puits, il me semble qu'il est là-bas tout droit. Hein. Parce qu'il me dit pas, ouais, bon, ça doit être ça là-bas. Hein. On va pas se prendre le chou. Là aussi, normalement, il y a un mob rare, un loup, si je me souviens bien, un loup bleu. Un loup bleu, j'ai pour souvenir ça. Un truc qui fonce. Là, il est là, regardez. Hein, c'est pas ça. Hurleur fantomatique, hein. Je croyais que c'était un mob rare, mais non. Apparemment, non, il a pas de. Je vais me faire le rôdeur avant, ce qui va m'embêter sinon. Mais si, il lui donne une quête ou quelque chose, hein, il me semble. Parce qu'il est bizarre, hurleur spectral, la fantomatique. Allez, on va le. On va le pull, on va voir. Je suis sûr qu'il donne un truc cool, lui. Oui, bon, il donne. Une quête. Voilà. Trouvez quelqu'un qui puisse vous en apprendre davantage sur le loup hurleur. Donc c'est derrière moi, là où j'étais. Je vais purifier mon puits. Hop. Oh, comment je les one shot sinon? C'est une honte. C'est une honte ce jeu. C'est devenu une honte ce jeu. Bref. Hop. Oh, puis j'ai passé niveau 11 déjà. Je vais rendre tout ça. Regardez. Un shot. Two shot. Et bah, c'est comme ça. C'est comme ça. Cap griffé par les démons. J'avance. La vie ne descend pas, la mana ne descend pas dans le jeu. Bon, en même temps, je suis niveau 10. Donc, on va me faire comprendre que. On veut pour me garder. Pour me laisser. Pour me garder, que je m'abonne et que j'achète le jeu. On me fait comprendre que je suis pas si nul. Je peux faire des grandes choses avec mon personnage. Alors, les bottes. La maille, qui maille. Très bien. La botte en maille. Et niveau 11. Qu'est-ce que j'ai gagné niveau 11? Rien. La répute. Parler à Ben Sabot de sang au piton du tonnerre. Bah, ça, c'est le grand chef. Voilà, donc je vais être envoyé au piton. Croisé. Parler au grand chef, au grand Manitou. Qu'est-ce qui vous a... La cape du démon balafré, marteau. Ah non, c'est une main ça. Dommage, merde. Bon, bah je vais le garder. Hop. Et puis j'en ferai une désenchante. Allez hop, on va aller.
se foutre au piton du tonnerre, à apprendre l'escalator, là, l'ascenseur magique des taurennes. On va rencontrer le grand chef de Tauren, Bane Sabot de Sang. Et il me faut surtout que je... Il faudra que je me link ma pierre de foyer, ma PF. Je dis que ma pierre de foyer... au piton, ça sera une bonne chose de faite. Je trouve... Waouh, j'ai 10 points de haut fait. PGM. Coolio slowly. Ah, non, j'ai rêvé. Ah, alors là, je me fais toujours avoir. Je prends toujours l'ascenseur qui part. Voilà, là, je vais aller vers celui-là. Il va s'en aller. Le temps que j'aille vers l'autre, il va s'en aller. Donc, il sera peut-être plus intéressant que j'attende celui qui vient de partir. Oui, qu'est-ce que je vous disais? Ça, c'est un truc typique sur vous. Hop. Oula. Bon, fait peur. Passer au-dessus de moi comme ça, j'ai eu leur ombre. Allons-y, fier destrier. Ça, c'est Hades. C'est là qu'on va pouvoir voir si j'ai accès à une banque. Ou pas. Ou si je suis vraiment un pauvre petit compte gratuit qui n'a accès à rien. Je me rappelle où sont les banques dans ce jeu. On va déjà aller passer voir Bane. Bane qui va nous dire allez là-bas, pétez la gueule, la truc mûche. Je pense qu'il va nous dire un truc comme ça, hein, Bane. Alors, ça peut être intéressant que je prenne un autre métier quand même. Peut-être, pourquoi pas, mineur forgeron qui me permettrait de me faire des armes et armures au cas où. Au cas où je trouve pas les loot qu'il faut. C'est quoi ça? C'est des quêtes, les trucs bleus. Ça, c'est des quêtes journalières, ça, je crois, non? Oh mon dieu. Ah oui, quêtes journalières de craft ou de pêche, etc. Eh ben. Heureusement que je paye pas le jeu, hein. Il y a trop de trucs à faire. Bane, salut Bane, grand chef. Quel niveau Bane, il est? Fils de Kael. 129 millions de points. Maintenant, chef des Tauren Sabots de Sang. Oui, salut Kael. Non, Bane. Triomphe Domo, totem sinistre, la passe des serres rocheuses. Ok. Ça, je me souviens, c'est en bas. On y redescendra tout à l'heure. Je vais déjà aller me linker en PF, voir ma banque, prendre un métier. Monter, c'est que j'ai déjà. Bah écoutez, j'ai déjà là. Je peux pas cuisiner des trucs. On va mettre un petit peu dessus. Faire un petit feu de cuisine. Ah si, je peux faire des trucs. Viande de loup, toujours. On va tout faire. Tut. Tut. Ça monte, hein. 31, 32, 33, 34. J'arriverai pas à faire. À passer le 40, là. Pas encore. Ça sera pour bientôt. Hop, 38 en cuisine. Je pense que elle va rien m'apprendre de neuf. Comment puis-je vous aider? Elle me donne une quête, mais j'ai pas envie de la faire, ça me fait chier. Non, c'est 40, hein. Et lui, il a pas des. Allez, on coupe de la terre, on va profiter pour faire secourisme. 15. Pareil, où est le mettre des secouristes dans ce bazar? Oups, ça m'a fait enlever ce que j'étais en train de faire. Marchand de viande. Pêcheur, arme à feu, harnais de guerre. Bon, bah, secouriste, ça doit être autre part. De toute façon, c'est pareil. Tant que je suis pas 40, je pense que je peux pas faire autre chose que mes petits bandages en lin simple. Une direction, l'auberge qui se trouve juste là. Souvenir, souvenir. Voilà. Voilà, le seul moyen que j'ai trouvé pour perdre un peu de vie, c'est de faire des gros sauts, parce que les mobs ils arrivent pas à me faire perdre la vie. Niveau 65. Aubergiste, bonjour aubergiste. Faites de cette auberge mon foyer. Merci. Permettez-moi de jeter un coup d'œil au machin. Je
Tiens, je te revends mes merdes. Voilà. Allons voir le banquier. C'est là la grande question. Le banquier, qu'est-ce qu'il dit? Il est là. Ah bah si, j'ai ce qu'il faut, j'ai ce qu'il faut. Bah écoute, mon cher banquier, ça, du garder l'avion d'autre auteur, on sait jamais que ça puisse me servir. La malachite et puis les trucs à des, je te les donne. Allez. Pas mal. Et ben on va essayer de se trouver le mineur. C'est quoi ça, le tableau? J'ai jamais vu ça. Tableau de commandant de chef de guerre. Ashara, les tarifs du Nord. Ah, c'est pour m'envoyer quelque part. Mais moi, je préférerais aller aux tarifs du Nord. Tiens, présentez-vous. Ah, Kargal Balaf, glorieuse au poste du gay Watan des tarifs du Nord. Très bien. Ashara, j'ai pas envie, j'aime pas. Donc, on va faire la quête de Bane. À mon avis, après, j'aurai. Il va me demander d'aller autre part, Bane. Métier principal, métier secondaire. Donc, on va prendre mineur. Mineur, il me semble que c'est là. Maître des mineurs. Bonjour. Salut. Apprenti mineur. Hop. Voilà. Il me faut, j'imagine, une pioche ou je sais pas quoi. Fondre. C'est pour faire fondre les lingots. Très bien. Fourniture de mineur. Il faut une pioche de mineur. Il faut une pioche ou pas? Je pense que oui. On va la prendre. Parce que je ne sais pas. Je pense que oui. On a besoin d'avoir une pioche dans son inventaire pour pouvoir miner. Ah oui, il y a aussi découverte de gisements. Faut pas que tu passes à côté de tout ça. Et métier, fondre. Bon, pourquoi j'ai pas tout? Vous avez pris une nouvelle technique, découverte de gisements. Des filons de minerais, des environs apparaissent sur la carte. Est-ce qu'il faut que je... Comment je l'active ce truc? Déjà. Ah bah, juste comme ça. Hop, découverte de gisements. Ça, je l'active. Très bien, donc c'est un truc passif. Hein. Il me le met où d'ailleurs, ce con? Je sais pas où il me le met. Bizarre. Parce que je le vois pas dans le métier, bon, c'est pas grave. Fondre, thermominage de fondre et mineur. Vous apprend à extraire du minerai et de la pierre de gisement afin qu'il soit utilisé en ingénierie en forge. Permet d'atteindre un niveau de compétence 75, requiert une pioche de mineur. Bon, j'ai bien fait de prendre la pioche. Et les forgerons. Salut. Oui, je vais être forgeron. Je veux m'entraîner. Hop. Est-ce qu'il m'apprend d'autres choses à faire? Oui, un pantalon. Voilà. Et là, j'ai bien la forge que je mets ici. Voilà, les amis. Donc, des pierres. Ah, du lin quand même. Il faut que je garde mon lin maintenant. Ah, ça. Ok, donc du cuivre, de la pierre. Pour pouvoir monter ma forge. Et là, Bane, il voulait m'envoyer. Ouh, c'est quoi ces trucs? Maître des dompteurs de mascotte. Pourquoi j'ai des trucs tout verts là qui s'affichent? C'est dégueulasse. Certaines choses m'échappent. Certaines choses m'échappent. On va sortir des pitons. Alors j'ai dit sortir et pas tomber comme une vieille merde. Quoique là ça doit passer. Easy. No problème. No stress. Il a voulu me faire peur. Nine. Mulgore. Oh, c'est pas mal fait le récapitulatif de quête là. Il te dit combien tu vas gagner en XP, tout ça, une sacoche, machin. J'aime bien. J'aime bien, c'est beau, c'est simple, c'est frais, c'est bigarré, c'est aux fruits. Alors, Ono, totem sinistre, c'est tout droit. C'est tout droit, c'est tout droit. Mais c'est pas tout près. Et moi pendant ce temps-là, je cherche les gisements. Et moi pendant ce temps-là, je cherche les gisements. Alors normalement, mes gisements devraient apparaître sur ma minimap de façon efficace. Efficace. Allez, on va se cogner Ono, qui doit être le méchant du coin. Celui qui nous a pourri tous nos puits depuis tout à l'heure. J'ai un gros truc jaune qui s'affichait, ça doit être. Voilà, un gisement de quelque chose. Pouvoir voir ça. Oh non, c'est lui. Allez hop! Je commence à en avoir assez! Eh bien, moi aussi. Totem sinistre.
Ouais. Non, Bane. Avec ses 129 millions de vies, il s'en fout pas mal. Il a fallu le poison d'un lâche. Bon, faut flinguer ou pas là? Pour abattre mon père. Allez, vas-y, finis-le. Pour toi, c'est terminé. Bon, bah ce fut héroïque. Un petit épée maison, grand chef? Oui, ah, parle pas trop, vas-y, ramène-moi à la maison. Je retrouverai un piton du tonnerre. Nishne, allô, Poha. Va lui se barrer, il me laisse. Bon, bah écoutez, les amis, on a aidé Bane. Je vais me TP Python. Et au prochain épisode, et bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir se barrer direction les Tarites du Nord avec mon petit niveau 11. Sur ce, un petit pouce vert, hein, enfin bleu maintenant, un partage. Et puis c'est parfait. Allez, bye bye tout le monde, c'était Kaz. Amusez-vous bien, à la prochaine sur tous mes diverses Let's Play. Bis mes canards.